Bon, je suis avec Yannick, que je présente plus. T'as officié le 10 km ? Ouais, tout à fait. Donc, j'arbitre sur le 10 km ce matin, comme l'année dernière d'ailleurs. Je redouble. Et puis, on est deux juges arbitres aujourd'hui sur la course, hein, avec Marc Tavernier, qui est le président aussi de l'Obstacle Fréjus, hein, ne l'oublions pas. Donc, comme quoi on peut être président d'un club et en même temps juge arbitre. Malheureusement, il a un petit problème médical aujourd'hui. Et donc, je vais enchaîner pour la deuxième fois sur la moto pour le 5 km. Mais c'est lui qui, après, jugera l'arrivée du 5 km. Apparemment, il y en a 4 dans la 28e minute sur le 10. 3 en dessous de 29 minutes, ouais, tout à fait. C'est une belle vent. Malgré le vent, ouais. Alors, le vent, il était un peu de 3 quarts arrière l'allée. Et 3 quarts face sur le retour, sur environ 3 km à peu près. Donc, effectivement, ça joue contre la performance. Mais enfin, quand même, de 3 belles perfs en dessous de 29 sur ce parcours ultra plat. A été un tout petit peu modifié cette année, mais vraiment de belles perfs, ouais. Un beau soleil au rendez-vous, un beau parcours, les perfs, elles sont là. Merci Yannick, je te laisse enchaîner sur le sol. Ok, merci beaucoup, ciao Yves. Salut Naïd. Salut. Dis-moi, les semaines passent, mais c'est ressemble, hein, j'arrête pas de t'interviewer parce que la dernière fois c'était le week-end dernier sur le cross, ouais. Relais, où tu étais première aussi. Oui, première, c'est vrai. Équipe qualifiée pour les France. Et là je te retrouve sur le 10 km ailleurs avec tout un groupe du MSA. Ouais. Donc, donne-moi ta performance là déjà sur le 10. Mon chrono. Non, là, ici. Ah, là. Ici, aujourd'hui, j'ai fait premier féminin, mais je fais 35-16. 35-16, bravo, félicitations, parce qu'il y avait un peu de vent, il y avait une petite brise, non? Oui, il n'y avait pas un petit, hein, il faisait beaucoup de vent aujourd'hui, mais c'était des conditions idéales, il faisait beau, il y a du soleil, il y a beaucoup de monde pendant tout le parcours, mais c'était dommage qu'il y avait vraiment du vent qui nous a... Un peu pénalisé. Exactement, tous les chronos. Mais comment tu trouves le parcours? Le parcours, il est parfait. C'est vraiment parfait. Il y a deux, trois virages, c'est ça? Oui. Un point et puis... Et après, c'est presque plat. À quel endroit on te retrouve, là? La prochaine fois, le week-end prochain, peut-être? Je pense que non, le week-end prochain, on va continuer à s'entraîner pour des objectifs qui vont venir. Ouais. Comme le cross qu'on va faire en mois de janvier. Donc non, le week-end prochain, il n'y a pas d'interview. Rendez-vous sur Serre alors, le 28 janvier. Oui, exactement. Merci Ned, merci à toi. De rien, un bisou à tous. Ça va bientôt partir. Et on continue la mission à taper les mains, s'il vous plaît. Pour ce 5 km, tout le monde tape. Hey, le chrono tourne, ça va bientôt arriver. Le public qui est présent ici a accueilli et à voir ce départ. Tout le monde est là. Simon est là, le gagnant est là. Écoute, ça va avec ce temps, un beau temps. Bon, je te croise, t'es juge, t'es l'officiel sur le 5 km de la première. Absolument. Un sacré office 5 km parce que l'année dernière, il y a eu un record de France, il me semble. Tout à fait, oui, le record de France est tombé l'année dernière. Et on va la revoir cette année, celle qui avait le record de France, parce que au mois d'octobre, le record de France est tombé. Alors il était de 14,58 et il est de combien? Alors il était moins de ça. Ah, pour cadet. Alors, oui, oui. Ah, moi je te parle de Master. D'accord. C'est Master en 16,04. D'accord. Donc c'est le record Master là, qui va essayer d'être battu. L'année dernière, il y avait effectivement un record de 14,58. Oui, tout aussi. À fait. Comment tu trouves le parcours et comment le contexte général aujourd'hui? Le parcours est très roulant. Le seul problème aujourd'hui, c'est le vent, mais ça, on n'y peut rien. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour effectivement essayer de battre le record. Mais bon, je pense qu'elle va essayer de le faire quand même. Et bon, on a vu sur le 10 km, il y a du vent quand même. Et apparemment, quand même, sur le 10 km, il y en a 4 qui sont dans la 28e minute. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, donc, oui, ce qui est, ça, avec le vent, c'est pas mal. Oui, c'est oui, très ça roule bien. Oui, oui.
Bon, écoute, merci. La course, elle est dans quelques minutes. Oh, oui, dans 10 minutes. Si bon, tout le monde est sorti. Voilà, voilà nos officiels. Monsieur Marc Tavernier va officier le 5 km, le célèbre 5 km, qui clôture le challenge running de la Ligue. De la Ligue. Merci. Merci à toi. À bientôt. Et moi, non. Et le Duc, vous êtes venu beaucoup ? On est une petite dizaine, ouais. Il y a dont notre président qui court et des cadets juniors du groupe. C'est un rendez-vous que vous ratez pas, ça ? Ouais, on le fait chaque année, ouais. Maxime, la stratégie de blessure, c'est bon ? Non, c'est bon. J'ai arrêté d'appliquer mes conseils et je me suis mis à m'entraîner sérieusement parce que je l'écoute un peu plus maintenant. Donc, ça va, moins. Donc ça va mieux. C'est un rendez-vous important pour le Duc, la première tous les ans ou... Oui, chaque année on y vient depuis 3 ans. J'amène les jeunes parce que ça nous fait une référence sur 5, voire 10 km pour ceux qui le font. Mais comme j'ai les cadets juniors, ils font souvent des 5 km. C'est un 5 championnat de France hein, quand même. Voilà, c'est pour ça. Et puis. Maxime Louvert, ça a été pénalisant ou ça a été ? Bah, on l'avait pas complètement de dos ou de face, on l'avait un peu de trois quarts. Ouais. Donc ça allait, il y a quand même pas mal de monde d'être densité, donc on arrive à s'abriter un peu, c'est cool. Bon, bah, on regardera sur le classement du challenge parce que c'est la dernière course, les deux dernières épreuves qui clôturent les challenges route de la Ligue. On verra où vous êtes positionné. Allez, je vous donne rendez-vous peut-être à la soirée récompense. A bientôt, bye bye. Ciao, ciao. Salut. C'est fait, c'est dans la poche.